Salut YouTube, nous voici sur une nouvelle vidéo de Eastward. Nous allons continuer du coup. Nous sommes à Barrageville. Il se passe pas mal de choses. On a rencontré la princesse et ses amis. On venait du coup de rencontrer un mec qui fume beaucoup le cigare. Ou la cigarette, je sais plus exactement, mais en tout cas il fume beaucoup, qui est le chef du casino, casino que Sam a dépiauté au niveau d'une machine spéciale, ce qui a fait qu'il nous a appelé dans son bureau. Il nous a lancé un défi de faire 3 plats qu'il appréciera énormément, donc nous devons cuisiner maintenant pour pouvoir passer à la suite de l'aventure. Donc, je veux du poivre, une laitue et un champignon. J'aurais pas assez pour faire 3 plats, les gars, hein, je vous le dis. Complètement loupé. Non. Il me faut de la nourriture. Faut que j'aille chez le marchand. Parce que c'est bien ça, hein, la quête que j'ai à faire. La recette du jour nécessite des... Ah, les murs veillent. Pour entrer, on va devoir quitter la ville et aller à la ferme du coteau. Ah, c'est vrai qu'il fallait des murs veillent. C'est où ça? Ok, donc faut aller tout en bas. Ah, il y a encore une petite statue, on va aller la voir. Vous revoilà. Laissez-moi vous poser une question. Cette ruelle, elle n'a rien de spécial, pas vrai? Vous ne seriez pas le premier à le penser. Mais... imaginez ça. Le soleil se couche au terme d'une chaude journée d'été. Un petit garçon dit au revoir à ses amis qui rentrent tous chez eux pour la nuit. Impatient de déguster les hamburgers de sa maman, il décide de prendre un raccourci. Ah, la ruelle paraît délicieusement fraîche après la moiteur des grandes rues. Il accélère, ses petites sandales fouettant la chaussée. Mais alors qu'il court, la ruelle semble rétrécir. De plus en plus étroite, ses murs se referment sur lui. Au point qu'il doit se tourner de côté pour continuer à avancer. Mais il ne pense qu'aux hamburgers de sa mère. Plus vite, se dit-il. Je dois me dépêcher. Alors il continue à se faufiler et à avancer de force. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger d'un pouce. Certains prétendent qu'on peut encore l'entendre. Coincé entre ses murs, en train d'appeler sa mère à l'aide encore. À l'aide, encore et encore. C'est stylé cette petite histoire là. Ah non, non, non. Le but c'est d'acheter des ingrédients à manger. Comment? Des merveilles? Ah, vous parlez des fruits de l'arbre chat, c'est ça? Il m'en offrait absolument tous les jours autrefois. Elle c'est délicieuse, vraiment. Mais j'étais déjà folle amoureuse de mon mari à l'époque. Du coup, ses efforts n'ont pas apporté leurs fruits. Alors, des glaces, crème dessert, d'accord. Continue à descendre. Et c'est ici, normalement. Je me trompe pas. Ouais. Ah ouais, elle est loin, la ferme du coteau. Ouais.
pauvre petit champi là, et qui on m'a rien demandé, mais qui m'agresse. S'il m'agressait pas, je les tuerais pas. Hein. Oula. C'est quoi ce monstre? Ouais, c'est par là. La grande gare. Ah, c'est vrai que j'aurais pu prendre le métro pour aller jusqu'ici. Bon, c'est pas grave, ça fait un peu d'argent en plus. Ils abordent la ville, alors faut que j'aille, ok. Faut que j'aille à droite et que je remonte vers le haut ensuite. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le lance-flamme, mais oui. Quoi? Ah ouais. Là il y a l'entrée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Oula. Mais je l'ai déjà fait ici, non? Qualité supérieure, ok. Aïe. Bon. Pas facile, hein, ces petites souris. Hein. Mais je crois que j'ai compris le principe. Mais... Le mur veillé. John, regarde, John, c'est le mur veillé. Eh bien, jeune demoiselle, quelle est ton intention lorsque tu portes le regard sur l'arbre fruitier d'autrui? Oh, bonjour. Je peux vous poser une question? C'est bien le mur veillé? C'est le cas. Dois-je en déduire que ce gentleman et toi comptez vous approprier ses fruits? Exactement. Arrière, retournez d'où vous venez. Si vous n'obtempérez pas, alas, vous devrez subir mon courroux. Vous êtes sans nul doute de connivence avec ces traîtres enjôleurs. Je ne leur donnerai pas le moindre fruit, et à vous non plus. Une petite minute. Le rebelle Sonic est arrivé. Monsieur le rebelle Sonic. Tiens, tiens, si ce n'est pas la princesse, vous vous amusez toujours avec vos gadgets mécaniques, à ce que je vois.
C'est en effet la princesse qui m'envoie. Il semblerait que je me sois fourvoyé à votre propos, Jouvenanceau. Et quand vous parlez de Lily, vous faites référence au fameux Lila Tuyère? Lui-même. Excellent, tout à fait excellent. Très bien, dans ce cas, jeune fille, je vais te laisser profiter de mes fruits. C'est vrai? Mais dites-moi, ce vaurien se vend-il toujours autant de ne jamais perdre? J'ai toujours eu un mauvais pressentiment quant à ce petit. Il faudrait que quelqu'un le remette à sa place. Je n'ai jamais vraiment compris ce que votre grand-père lui trouvait. Grand-père? Grand-père papy, mon vieux pote, vous avez complètement raison. Enfin, où en étais-je? Tu vas prendre ces fruits, entendu? Et surtout, tu en fais de la confiture à la première occasion, sans quoi leur saveur sera irrémédiablement perdue. Vous avez obtenu Murveille. Ouah, ouah, John, regarde, elle brille comme du verre. C'est bien normal, c'est moi qui ai planté cet arbre après tout. Et dire que ce grippe-sous de Lee qui va en profiter, quelle injustice. Viens John, on rentre. J'ai hâte de voir ce que Lee va en dire. Cette fois on prend le métro, hein. Je vous le dis tout de suite. Allez. Ah ouais, elles viennent quand même jusqu'à moi. Hein. Y a pas de moi caché, hein. Ok. Oula. Et voilà, quand on les empêche pas dès le début, ils nous rushent dedans. Ah, à chaque fois j'oublie. J'ai envie de roulade. J'ai envie de faire une roulade. Ça marche pas comme ça. Bonjour, bienvenue au métro de Barrageville. Où souhaitez-vous aller? Barrageville. Veuillez patienter sur le quai. C'est parti. Excusez-moi. J'ai besoin d'aide. Mon père est en train de mourir. Hein? En train de mourir? William? Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il est très malade. Le docteur a dit que la seule chose qui pouvait le sauver, c'est des merveilles.
Des merveilles? On en a justement. Tiens, prends-les. Tu en as bien plus besoin que nous. Je vous en prie, il n'a plus qu'une nuit à... Hein? Sérieusement, tu me les donnes? Peut-être que j'aurais pu me passer de cette histoire. John, on devrait aller voir William pourvu qu'il s'en sorte. Ah, non. Je veux dire, le docteur, oui, le docteur, il a dit que personne ne devait le déranger pour l'instant. Le docteur devrait suivre ses recommandations alors. Quand John a été blessé, un docteur s'est occupé de lui et il lui a sauvé la vie. Tu devrais filer le retrouver alors. Le docteur t'attend sûrement avec impatience. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas surtout. On loge juste là, dans cette maison. Oui, d'accord. Merci en tout cas. Vous êtes vraiment sympa. J'espère que William sera vite sur pied. Je me permets. Vous avez trouvé les fruits? Oh, c'est toi? Cache ta joie de me revoir. Alors, tu ne me proposes pas un petit thé? Débrouille-toi tout seul. Hé, tu as toujours toutes ces vieilleries. À quoi bon les garder? Et on ne fume pas! Cet endroit n'a pas changé d'un iota. Bah les pattes! Des petits pains? Si tu comptes me servir des petits pains, c'est sans doute que tu as aussi la confiture de merveille. Eh ouais, mon pote. Tu ne paies rien pour attendre, cette confiture va te rendre baba. On est là! Ah, Lee! Vous les avez donnés parce que quelqu'un était malade? Bon, j'imagine que c'est plus important en effet. Ce n'est pas encore prêt. Une odeur fruitée ne devrait pas être en train de me chatouiller les narines. C'est en cours de préparation, il n'y en a pas pour longtemps. On est mal. On dirait qu'on n'a pas le choix, il va falloir avoir recours à mon truc. Votre truc? Je l'ai! On va remplacer les fruits par ceci. Des piments extra forts? Exact, de la confiture de piment. C'est censé être de la confiture? Ou c'est l'arôme riche, le parfum fruité? Tous ces cigares ont dû avoir raison de ton odorat. Et cette couleur, ce n'est pas un peu trop vif pour de la confiture? C'est que tu n'as jamais goûté de confiture fraîche jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours cette tête-là. Pourquoi est-ce que j'ai un curieux pressentiment? C'est seulement que tu n'en peux plus d'attendre. Allez, vas-y, prends-en une bouchée. Ça brûle! Ah, c'est aussi épicé. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Les épices, c'est la vie. Arrête avec ta condescendance, tu m'as promis de la confiture de merveille. Mais tout ce que j'ai eu, c'est une horreur pimentée. Plutôt un chef-d'œuvre pimenté. Mais voilà. Aucun souci de l'autre côté de la frontière. Oh, Lee est là. Ne me dites pas que c'est la confiture pimentée d'Alva, non? Isa, dis-lui, toi, dis-lui que ma confiture pimentée est fabuleuse. Ah, je vais bien, c'est. Et si on en restait là, hein? J'ai hâte de découvrir votre prochaine création. Tâchez de ne pas me décevoir cette fois. Le voilà, regardez, c'est Lily, avant qu'il devienne un gros lourdeau. Ouah, Lee avait de l'allure. Qu'est-ce qu'il porte? On dirait presque le chevalier de la fusée. Oh, c'était un immense fan d'Earthbound à l'époque. Un vrai geek. Un geek? Ah, c'est vrai, tu n'as jamais entendu ce mot, hein. Ça veut simplement dire que quelqu'un est à fond sur un sujet, voire qu'il le prend un tout petit peu trop à cœur. C'est un de ces mots d'autrefois.
Et ça alors? Il en est fan aussi? Laisse-moi donc voir. Oh, bon sang, c'est vrai! J'avais complètement oublié! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le grand crabe en cocotte du barrage. Lily en était complètement accro. John! C'est ça! Le grand crabe en cocotte du barrage! Il faut qu'on trouve un crabe et qu'on en fasse le plus grand crabe en cocotte du barrage que Lily ait jamais vu! Allez, c'est parti pour la chasse au crabe, les amis! Par contre, j'ai plus de life. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dormir quelque part? Genre par là. Il n'y a pas moyen de se reposer. Pas moyen. Ah. Comme ça évite d'utiliser de la nourriture. Et on peut repartir à l'aventure. C'est parfait. Alors. Vas-y, il faut que j'aille. Désolé, un marin d'eau douce a déjà acheté tout mon stock aujourd'hui. Mais paraît que le marché du dragon va pas tarder à rouvrir. Vous trouverez peut-être votre bonheur là-bas. Donc, le stock du dragon. C'est où ça? En bas. Ah oui, d'accord. Vous êtes sûr de pouvoir vous en charger? Vous êtes des bouffons sans foi. Sûr à 200%, oh mon bon monsieur. Après tout, on est les plus forts, les plus intelligents et les plus virils de ce côté du barrage. Comptez sur nous, monsieur Cheville. On vous apporter tous ces crabes royaux demain à la première heure. Parole de scout. Je n'en suis pas sûr que vous soyez vraiment scout et je ne vois pas en quoi ça me concerne. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Vous êtes engagé. Bingo, frérot. Allez, on va fêter ça. Je me disais la même chose, frérot. Et même si je sais déjà ce qu'on va faire. Oh, tu penses à la même chose que moi? Bon, ils vont aller se mettre une piquette. Si c'est du crabe que vous cherchez, vous avez trouvé votre homme. Passez donc au crabe royal demain et vous pourrez découvrir ce que Barrageville fait de mieux en matière de crabe. John, tu as entendu? Allons dire à Alvar. On va gagner demain, c'est clair et net. Pourquoi est-ce que ce truc est allumé et pourquoi il clignote comme ça? Qu'est-ce que... Il y a de quoi s'interroger. Toi? Comment tu... Qu'est-ce que... Serais-tu un peu long à la détente? N'as-tu pas quelque chose à me dire? Par exemple, ce qui se passe ici? Manifestement, tu n'es rien de plus qu'un enfant. C'est faux. Je suis le moissonneur, le faucheur d'humanité. Ah vraiment? Et pourtant, tu n'as même pas réussi à comprendre comment allumer ceci. Peu importe. Je vais te donner un nouveau jouet pour que tu t'amuses. Ça te plaira, n'est-ce pas? Tu veux dire... Bien, John. Faut qu'on ait trouvé des crabes royaux pour le crabe en cocotte. Avec ça, Lee est cuit. Here we go.
Allons chercher les crabes. John! Allons, crabe royal! Oula! Bonjour, on voudrait acheter. Je sais pourquoi vous êtes là, matelot. Vous voulez goûter à notre crabe comme tout le monde. Mais ça va dépendre de mon second, Chevy. Il est parti au port et j'attends encore son retour. John, on devrait aller voir au marché du dragon. Il est peut-être arrivé quelque chose. Que vais-je donc faire? Ah, et que vais-je bien pouvoir faire? Oh, Ismi. Chevy, le capitaine vous cherche. Ma petite Samy, merveilleuse Candy Floss, écoute-moi bien. Le capitaine m'a envoyé récupérer la cargaison de crabes. Je suis venu directement ici comme un véritable early bird. Mais devine quoi? Le bateau était fermé à clé comme une fichue backdoor. Et ces dumb seamen, ils se sont défilés. À cause de ces idiots, c'est moi qui ai l'air d'un imbécile. Dumb Seaman? C'est quoi un Dumb Seaman? Je vais te dire ce que c'est. Tu vas comprendre. Ce sont des fichus bro ces fichus brothers. Voilà ce que c'est. C'est ceux de la confrérie des bâtisseurs. Ils m'ont dit qu'ils m'aideraient à me procurer les meilleurs crabes, la crème de la crème. Mais maintenant, si Chevy ne fait pas bouillir la marmite, c'est la marmite qui va faire bouillir Chevy. Je vais te virer. Mais du coup, je dois faire quoi, moi? Ah, je dois retourner et annoncer qu'il a pas. Je vois qu'il y a une quête. Tatarat. Tatarat. Ça fait des heures que mon second est parti acheter des crabes royaux. J'ai aucune nouvelle depuis. Mais c'était là qu'on devait aller, non? Ah non, c'est plus haut. Il faut aller chercher les frères. C'est ici. On est fermé aujourd'hui, l'ami, et c'est pas à moi qu'il faut demander pourquoi. Adresse-toi plutôt à ces deux comiques là-bas. Hier soir, ils ont débarqué en geignant à propos d'une histoire de jackpot, et ils se sont mis à picoler. Et maintenant, ils sont par terre, dans les vapes, comme deux ânes morts. Oh. Oh. Ah oui, alors ce sont ces fameux types. Bon, je crois que je vais remplacer Moon pour aujourd'hui et les remettre en état de la manière forte. Aïe! Oui! Eh ben, pourquoi tu m'as tapé, frérot? C'est pas moi, c'est Mac. Ben, pourquoi tu t'en prends à nous, monsieur? Vous auriez pas oublié quelque chose d'important, vous deux? Le pognon, on t'a payé. Ayez ce qu'on devait pour nos consos, hein. On l'a payé, hein, frérot. Les crabes royaux! On a oublié les crabes royaux! On est foutu. Amène-toi, frérot. Il faut qu'on se grouille d'aller au marché de dragons. C'est les frères catastrophes, quoi. Ils te disent rien, hein, ces deux-là, frérot. Quelqu'un qui boit en plein jour, c'est pas dans nos fréquentations. Ces deux-là, ils font jamais rien comme il faut. En tout cas, vous feriez bien de foncer au marché du dragon, vous aussi. La demande en crabe royaux va crever le plafond. On est vraiment désolé, monsieur Chevy. Vraiment désolé.
Come on, bande d'idiots, vous avez bien failli me faire perdre mon boulot. On vous demande pardon. Pardon, pardon, pardon. Je m'en fiche de vos excuses. Ce que je veux, c'est vous voir monter ce crabe jusqu'au magasin. Go, go, go. À vos ordres. À vos ordres. Sam, ma grande, je savais que je pouvais compter sur vous. Un immense thank you à vous deux, my friend. Je retourne au Crabe Royal histoire de vérifier que ces fous ne tentent rien d'autre. Quand vous aurez le temps, passez me voir là-haut, d'accord? J'ai un amazing reward qui vous attend, Sia. Petite Samy, vous êtes là. J'ai la récompense que je t'avais promise. Entre vite, dépêche-toi. Le capitaine veut t'offrir un seau entier de crabes royaux. Je savais que vous seriez de retour en un rien de temps. Alors, envie de gâter vos papilles avec un peu de chair royale? Je vous ai réservé une belle portion. Vous voulez vraiment vous donner tous ces crabes? Sans votre aide, nos crabes royaux serreraient la pince à David Jones en ce moment même. Ils seraient tous morts étouffés. C'est moi qui devrais vous remercier. Prenez-les tous. Obtenu crabe royal. John, on a les crabes royaux. Retournons vite au manoir de la fusée. Il va encore nous faire le coup de le gars là qu'on a croisé. Non? Ok, donc les murs veillent, c'est bon. Mais les crabes royaux, ils demandent pas. John, vite! Lee sera là d'une minute à l'autre! John, la pâte! Grande ou petite? Quoi? Oh non! On n'a pas assez de gingembre! Oh non! Elle va manger ma crème dessert! Zut, 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 zut! Les crabes s'enfuient, John! Je m'en occupe! C'est un cache-cache. Il y en a un qui est monté. Évidemment. C'était le dernier. Plus qu'à rapporter les crabes à John. Deux, trois, quatre, cinq, six. John, j'ai attrapé tous les crabes. Ça sent drôlement bon par ici. Vous avez déjà commencé à cuisiner? Lily est cuit cette fois. John, Sam. La troupe est fichue. Nous avons besoin de votre aide. Si le spectacle de ce soir ne fait pas un carton, nous serons contraints de quitter Barrageville. N'ayez crainte, l'ordre du chevalier de la fusée s'occupe de tout. L'ordre du chevalier de la fusée? Classe. On se croirait dans Earthborn. J'ai trouvé ce nom à l'instant, en passant par la porte. Ça sonne bien, pas vrai? Vous en faites pas, Jasper. L'ordre du chevalier de la fusée va tout arranger. J'ai eu là. Le seul endroit où je suis pas encore allé. Faut que je monte, ouais. Faut monter à l'étage.
Vous avez entendu, bande de bons à rien? Il me faut cet argent et il me le faut aujourd'hui. Vous pouvez pas augmenter le loyer comme ça. Laissez-nous un peu plus de temps au moins. Hein? Quand on est aussi minable, on le reste. Je pourrais bien vous laisser 10 ans. Je verrai pas plus la couleur de mon argent. Si vous réglez pas ce que vous me devez, eh bien... Vous feriez mieux de commencer à faire vos valises tout de suite, compris? Je vous flanque à la porte. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Dégagez! N'ayez crainte, les amis. Me revoici! Et regardez qui je vous amène. C'est déjà trop tard. On est fichu. Aucune discussion possible. Il nous faudra un miracle ce soir, sinon on devra partir. Mieux vaut commencer à réfléchir à ce qu'on fera ensuite. Partir? Mais vous ne pouvez pas partir. Ça veut dire que je pourrai plus jamais manger de la glace. On est désolé, Chouquette. Tu peux nous croire, on n'a pas envie de partir. Je dois avouer que si on avait su que les choses se finiraient ainsi, on se serait peut-être jamais venu dans cette ville. Taisez-vous, tout autant que vous êtes. Quel genre d'artiste faut-il pourrait être pour abandonner son public, enfin. Jasper n'a pas tort. C'est vrai. Sérieusement, on ne peut pas tout de même pas abandonner notre public. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on attend? On va répéter à fond et montrer à cette ville ce que le train Fantasia a dans le ventre. C'est parti, here we go! Leur inquiétude est légitime. Si nous lançons le spectacle de ce soir dans l'état actuel des choses, ce serait une catastrophe calamiteuse, rien de moins. Il faut nous aider. Il y a forcément quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Ah, ils ont fait le jeu. Pourquoi vous avez l'air aussi triste? Ma vie n'est que malheur, je le crains, je m'appelle Zarbu. Et moi, Malarbus. Ah, on t'a pas sonné. Je suis clown au sein de cette troupe. Au cas où ce serait pas évident. J'avais un numéro intitulé Les Effroi Boîtes. Effroi, tu l'as dit. Les affreuses poupées que tu faisais sortir de ces boîtes, elles avaient de quoi donner des cauchemars aux enfants. On a reçu des tonnes de plaintes de la part des parents. C'est pourquoi je change de numéro. Oui, j'en ai un tout nouveau. Le clou du spectacle, je l'ai appelé Prestidiwitation. Ou plutôt Prestidinontation pour le moment. Il a les mains si lentes qu'on le croirait prise dans la menace. Même un bébé arriverait à voir clair dans cette catastrophe qu'il ose appeler un numéro. Je t'ai pas demandé ton avis. Et pourtant, je sais bien qu'il a raison. Je n'ai pas assez de doigté pour réussir ce tour. Montrez-moi, je pourrais peut-être vous aider. Vraiment? Tu veux voir mon numéro? Oh, joie et félicité! Ne sois pas trop dur avec lui, sa confiance en lui est un peu près aussi fragile qu'une coquille d'œuf. C'est parti! Pas trop difficile jusqu'ici? Maintenant, regarde ça! Tu ne sais déjà plus où donner de la tête, pas vrai? Mais attends, ce n'est pas fini! Alors, à ton avis, où se trouve la balle? C'est ton dernier mot? Tu es sûre et certaine? Oh, eh bien, tu as vu juste. C'est vrai, alors je suis vraiment nul, mes mains ne sont pas assez rapides, c'est tout. Je ferais peut-être mieux d'abandonner. Bah, en tout cas, merci d'avoir essayé de m'aider. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Je suis toujours dans le coin. Ah ouais, donc faut vraiment... Ne sois pas trop dur avec lui, c'est confiance, hein, nana. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite.
Raté! J'ai réussi, j'ai vraiment réussi. Je ne suis peut-être pas si nul que ça, finalement. Je vais même te laisser retenter ta chance. C'est parti. Alors, à ton avis? Raté! J'ai réussi, j'ai vraiment réussi. Je ne suis peut-être pas si nul que ça, finalement. Merci sincèrement, je suis au comble du bonheur. J'ai les mains comme surchargées d'électricité et je pourrais tromper n'importe qui. Je vois tout, je sais tout. Vos problèmes humains ne sont que des tiraillements fugaces pour moi. Eh bien, en quoi puis-je vous aider? Écoutez, tous ceux que vous cherchez vous appellent dans la nuit. Ils attendent tapis dans bien des salles obscures. Libérez-les de leur entrave et rapportez-les à leur reine légitime. Rien compris. Bien le bonjour, envie d'écouter les divagations d'un vieux costaud? Je suis le lanceur étoile de la troupe, vous savez. En quoi une troupe de cirque a-t-elle besoin d'un lanceur? Très bonne question. Mais ma balle rapide est l'un des numéros les plus populaires, vous savez. Lance-la encore, Matisse, l'incroyable Matisse, l'étoile filante. C'est comme ça qu'on m'appelait. Mes lancers avaient un immense succès. Et puis, nos affaires ont commencé à péricliter et le public se fait rare. Je lançais de moins en moins, à tel point que j'en perdais la main. Un lancer rouillé, c'est ce qui pouvait m'arriver vers de pire. Mais que faire? Je n'ai pas de partenaire d'entraînement. Ma balle rapide est bien trop rapide. John, et si tu entends le coup, hein, je pourrais l'aider. À vous, pensez être capable de frapper ma balle rapide? Bien sûr. Ça alors, quelqu'un se porte enfin volontaire pour faire face à ma balle rapide? Très bien, c'est parti. C'est trop stylé ces mini-jeux qu'ils ont fait. Quoi? Ah, pas encore le bon timing. Mince, trop tôt. Oh, bon sang, bonsoir. Je l'ai rattrapé. Cette sensation, cette sensation! C'est comme si toute cette passion, toute cette classe passée à la poêle avait été injectée directement dans la paume de ma main. C'est ça, c'est cette sensation qui me manquait tant. Ce soir, la foule va à nouveau scander mon nom. Y a un coffre, pas très loin, on l'a entendu. Force, c'est bon, je l'ai trouvé. Force Scarabée, rassemblement! Terre, vent, feu. Non, 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 on reprend depuis le début. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais éventuellement me rendre utile? Hein? Oh, c'est toi, Jiang. Ne me dis pas que tu veux rejoindre le groupe quand même. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça marcherait. Peut-être avec une tenue différente. Vous voyez, pour accentuer un peu les choses. Voilà une brillante idée. Oui, mais où est-ce qu'on va trouver ça? On n'a même pas de quoi manger à notre faim. Oh. J'ai exactement ce qu'il nous faut, le costume idéal. À l'étage du palais Pécule, vous trouverez, disons, un ensemble. Vous deux, vous ne pourriez pas aller nous le chercher par hasard? Puisque tu connais si bien cet ensemble, pourquoi tu ne vas pas le chercher toi-même? J'ai mes raisons, d'accord? Et puis, il faut qu'on s'entraîne, pas vrai, les gars? Mais tu n'y es pas allé l'autre jour? Il cherchait peut-être un costume pour Jung. Non, 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 non. Si je me souviens bien, il avait rendez-vous avec une femme. Comment s'appelle-t-elle déjà? Celle qui sert au bar? Lily, c'est ça? Tout à fait, Lily. Tout s'est bien passé avec elle.
Vous allez la fermer tous les deux. Bref, c'est très facile, vous en sortirez à merveille. Il devrait y avoir trois éléments au total. Vous trouverez le tout à l'étage du palais Pécule. Vous ne pouvez pas les rater. On s'en occupe. Allons chercher ce coffre. Trois jetons chance. Parfait. Allons au palais Pécule. Je sais pas où je vais. Je suis sorti de la ville. C'était pas le bon endroit. Palais Pécule. Oh. Jade, vous êtes au courant? Ces troupes de bon à rien va enfin dégager. Bon débarras, je n'ai jamais pu les sentir. En plus, le parc va enfin pouvoir redevenir comme avant. Si tu le dis. Ils ont dit que c'était à l'étage. Ah oui, d'accord, il y a un masque. Ce masque, il doit faire partie du costume. Plus que deux éléments. Elle est jolie cette perruque. Plus qu'un élément. Un fouet. Il nous faut sûrement ce fouet. Costume de la reine Scarabée. C'est bon, on a tous les éléments du costume. Allez John, on peut y retourner. Eh bah. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va lui donner un look chelou. Hein. Oh oh, vous avez réussi! Je savais bien que c'était une bonne idée de vous envoyer là-bas. C'est le costume que vous voulez que je porte. Mais c'est un peu gênant, vous ne trouvez pas? Gênant? Et tu dis ça maintenant? Ces braves gens ont fait l'aller-retour jusqu'au palais Pécule pour te la porter. C'est toi qui voulais nous aider. En vérité, ces vêtements légers regretteraient sans doute de ne pas avoir l'occasion de parer vos courbes, madame. Bon. Laissez-moi juste une petite minute, je vous prie. Oh, sternez-vous devant moi, misérable. À genoux. C'est fantastique. T'ai-je donné l'autorisation de parler, Vermisso? Je suis la reine Scarabée. Je ne saurais vous remercier d'avoir récupéré ce costume pour moi. Oui, une sorte de récompense est peut-être de mise. Oh oh oh, pas d'inquiétude, ça ne sera rien de trop douloureux. Mais laissez-moi me charger du spectacle de ce soir. Les hommes de cette ville ne vont pas en revenir. Oui, préparez vos mains, messieurs. Ce soir, on monte le chapiteau. Eh bien, je savais pas que Jiang pouvait être aussi éloquente. Qui est cette Jiang? Je suis la reine Scarabée. C'est absolument splendide. Je savais que vous y arriverez tous les deux. La représentation de ce soir va faire un tabac, j'en suis sûr. Mais j'ai encore une chose à vous demander. Oui, une mission de la plus haute importance. Une mission importante? C'est quoi? Dites, c'est quoi? Vendre des tickets?
Bienvenue! Il faut sourire, fiston, sourire! Bienvenue! Même lui? Bienvenue! Bienvenue! Ah, c'est Mung! Tiens, si c'est pas la protégée de Sa Majesté, tu vas au cirque toi aussi? Non, j'ai du boulot. Quel sens des responsabilités! Bonne chance alors! Bienvenue! Et voici que s'avance sur scène Minette, le féroce félin de la jungle, et son dresseur, El Tigre. On peut les regarder maintenant? Impossible, on a du boulot. Hey, salut Fiston, tu viens pour le cirque? Drôle de gamin. Et maintenant, le lanceur le plus rapide de ce côté du barrage, l'athlète au bras d'acier, l'incroyable Mathis Olson. Je vais aller regarder. Tu dois travailler. Mais je m'ennuie. Je peux pas aller regarder juste un petit moment. Ah, John, notre crabe en cocotte. Oh, cuit. Quelle déception. S'ils avaient réussi à recréer ce crabe en cocotte, j'aurais peut-être bien été contraint de jeter l'éponge. On dirait que la chance est de mon côté. Lily ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Il est à des années-lumière de s'imaginer que John lui prépare son grand crabe en cocotte adoré. Fantastique, migraine en approche. Seconde, ça sent le cigare. Lily est déjà là. N'as-tu à rien, j'espère. Si jamais tu as saboté ce que John s'est donné tant de mal à préparer. Oh, vous êtes très bien débrouillé pour ça sans mon intervention. Hey, tu ne peux pas partir comme ça. C'est le grand crabe en cocotte du barrage, ton plat préféré. Oui, en effet, et si tu permets, je vais te poser une question rien qu'une. Quelle est LA chose qu'il ne faut surtout pas oublier pour réussir un crabe en cocotte? Eh bien, le temps de cuisson, qui est très précis, évidemment. Oh non. J'en ai assez vu. Mais ça m'a donné envie de crabe. Je vais demander à mon cuisinier de m'en préparer. Lee! Il ne vous reste plus qu'une seule chance. Est-ce que vous prenez ce pari au sérieux au moins? Vous n'avez pas encore réussi à me sortir le moindre plat mangeable. Si vous aviez le temps d'aller vous amuser au cirque, vous auriez pu trouver le temps de réfléchir un peu et de trouver une idée qui tienne la route. La prochaine fois, vous êtes cuit. Viens, John, on rentre. C'est toujours mangeable, non? Quand on n'a pas de papilles gustatives, peut-être. Mais il était à peine trop cuit. Ça ne peut pas être si mauvais que ça. Tu as déjà oublié la fois où tu as mangé ces fameux champignons? S'amuser aussi, ah, pour qui il se prend, lui? On n'était pas là pour s'amuser. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Cette odeur? Le crabe en cocotte, tu veux dire? C'est le crabe en cocotte de John. Comment il a pu donner quelque chose d'aussi... Vous n'avez rien ajouté de bizarre dans la cocotte, hein?
Eh, je ne cuisine pas si mal que ça. Il est trop cuit, c'est tout. Ces crabes sont un peu délicats, disons. Il est très facile de rater la cuisson. Bon, on n'a plus qu'à essayer demain. J'éviterai à votre place. Tel que je connais Lee, il est déjà en train de se goinfrer de crabe en cocotte. Et sans cette étincelle de surprise pure et simple de son souvenir d'enfance, je ne suis pas sûr que l'effet sera le même. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce que tu attends? Frappe à la porte. Mais c'est la princesse. Qui est là? On vient voir John et Sam. On peut entrer? Bien sûr, entrez. Ne faites pas attention à l'odeur si vous pouvez. Ah, c'est vous? J'y crois pas. On est vraiment chez la princesse? C'est gigantesque ici. Hein? Et toute la troupe est là aussi? Qu'on me gifle avec une caresse de poisson, une carcasse de poisson, qu'est-ce que ça sent ici? Ça me rappelle affreusement les chaussettes de Jasper. Oh, ça, c'est notre crabe en cocotte, légèrement trop cuit. Je pensais que ce serait tout rose, chez la princesse. Ouais, et que ça sentirait les gâteaux et la poussière magique comme quelque chose comme ça. Silence! Personne ne vous a demandé votre lamentable avis. Oh, le spectacle, comment s'est passé le spectacle? Ça a été un énorme carton! C'est vrai? Oh bon sang, oh là là! Alors ça veut dire que vous pouvez rester? Plus rien ne vous oblige à partir. En effet, il ne nous reste plus que votre petit problème. Notre petit problème? Oui, Jasper nous a déjà tout expliqué. D'après lui, vous êtes lancés dans un petit pari contre Lee tous les deux. Vous ne manquez vraiment pas de cran, vous. Vous frottez au fameux Lee comme ça, le baron du crime le plus impitoyable de Barrageville. Cet homme est d'une sournoiserie. En tout cas, le moment nous a semblé idéal pour entrer en scène afin de vous sauver la mise. Lily n'est pas si méchante que ça. C'est trop mignonne. Lily n'est pas si méchante que ça. Le ton est mignon et le corps aussi. Ow! Oh, je veux dire, des cadeaux. On vous a apporté des cadeaux pour vous aider à effacer ce vilain sourire de la tronche de Lee. Vous voulez dire que tout ça c'est pour nous? La vache, je reviens pas. C'est du cactus neigeux? Ça alors, je n'en avais jamais vu en vrai. Remarquable, la princesse est très perspicace. Et ça c'est du fromage. Il a une drôle de tête. C'est un fromage de chez moi, mais pas n'importe lequel fromage. C'est du rock'n'roll. Et ça, ce sont des bols frayantes. Des champignons tellement délicieux qu'ils font peur. Quoi? Ça tombe à plat? On dirait des champignons tout à fait ordinaires. C'est génial! Avec ça, on va gagner, c'est clair et net. Vite, John, en cuisine. Faudrait pas attendre demain, le lendemain. Ça sent trop bon. C'est nettement plus appétissant que nos tentatives précédentes, c'est sûr. Mais j'ai tout de même l'impression qu'il nous manque le truc décisif, l'atout gagnant. Je les ai trouvés! Je les ai trouvés! Tiens, Jasper? Permettez-moi de vous présenter le grand, l'illustre William, le marchand, et... Oh, et son assistant, Daniel. Comme on se retrouve. Vous vous connaissez? On s'est rencontrés à bord de Charon. Et c'est eux qui ont donné les. C'est eux à qui on a donné les Murveilles hier. Ce n'est pas louche du tout. Ne vous en faites pas, on n'essaye pas de vous avoir cette fois. Laisse-moi parler, tu veux? Après avoir appris que nos magnanimes bienfaiteurs se retrouvaient en situation de crise, nous avons estimé qu'il était normal de vous offrir une forme de récompense. De plus en plus louche. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Mesdames, avez-vous entendu parler de la vallée des Scousses? La décharge, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Il se trouve qu'au fil du temps, l'endroit a acquis ce nom alternatif. Il y a beaucoup de tremblements de terre là-bas.
C'est pour ça qu'on l'appelle la vallée des scousses. Et ce ne sont pas des scousses ordinaires, voyez-vous. Si mes renseignements sont corrects, ces secousses sont provoquées par une créature particulièrement turbulente, le poisson sismique. Soit, mais il n'est pas comestible. Vous êtes fine observatrice, chère princesse. Vous avez fait des recherches de votre côté, à ce que je vois. Eh bien, le mérite en revient à Issa. Mais vous déjà demandé pourquoi ce poisson provoquait ces secousses sismiques? On n'a pas encore de certitude. Peut-être que ça le démange. Et puis, comme il n'a pas de main, il ne peut pas se gratter. Excellente hypothèse, Sam. Tu as déjà tout d'une scientifique. Mais la conclusion est erronée. J'en ai bien peur. Non, la raison en est un peu plus goulue. Savez-vous que les poissons étaient très sensibles aux tremblements de terre? La moindre secousse le pousse à bondir au-dessus de la surface de l'eau. C'est vrai, mais quel est le rapport avec le sujet? Oh, le rapport est plus qu'évident. En effet, figurez-vous que notre ami gourmet se sert de ses secousses pour se repaître de ses congénères aquatiques. Malin, ce poisson. Certes, mais écoutez bien. Ce qui suit est capital en ce qui nous concerne. L'essentiel du régime de ce poisson, voyez-vous, se présume à un poisson si fin, si délicieux, si merveilleux, qu'il vous dégoûte à jamais des autres poissons. Le vivano de la vallée d'Ambre. Oui, d'accord, c'est bien connu. Ce poisson est ce qui fait de mieux dans la cuisine gastronomique. Le vivano de la vallée d'Ambre sent le lys. Il a le goût du miel. Sa chair a une texture unique qui danse dans la bouche. Et en plus, il est plein de nutriments. C'est la crème de la crème quand on parle de poisson. Le diamant brut de la vallée des secousses. Il a l'air incroyable, ce poisson. Le seul problème, c'est qu'il est très malin. On ne peut pas l'attraper comme un poisson ordinaire. Seul le poisson sismique y arrive, en fait. C'est à ce stade, la conclusion est évidente et notre tâche est simple. Trouvons le poisson sismique et nous trouverons notre vivano. Petite minute, qui a dit qu'on était d'accord avec ce plan? Ah, mais la décision de vous lancer ou non dans cette entreprise vous revient entièrement. Cependant, je ne suis sûrement pas le seul à estimer que vos possibilités sont limitées. Disons, je dois bien l'admettre. J'ai drôlement envie de goûter ce vivano maintenant. J'ai toujours voulu essayer le fameux poisson d'ambre. Et puis la vallée des scousses, ça a l'air d'être génial comme endroit. Merveilleux, merveilleux. En fin de compte, votre décision semble déjà prise. Retrouvons-nous, disons, demain matin, à la grande gare. Je vous souhaite à tous une excellente nuit de sommeil. Faites de beaux rêves. Et nous allons en profiter pour faire la pause sur la VOD maintenant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cet épisode. Vous étiez beaucoup en immersion, il y a eu beaucoup de dialogues, donc pour que vous soyez un peu plus dedans, je préfère désactiver ma webcam. En tout cas, c'est surtout une question de confort. Je vous souhaite du coup une excellente journée. La suite arrive très bientôt. Je vais continuer encore au moins 30-40 minutes, je pense, peut-être finir cette zone-là. Donc vous aurez dans la journée la suite. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Salut.